Bonjour. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un lecteur que j'ai réalisé pour répondre à un besoin spécifique que nous avons dans le spectacle vivant, qui consiste à lancer une séquence vidéo et de maintenir une boucle pendant une durée indéterminée et de relâcher cette boucle sans qu'on observe de saut dans la séquence. Donc voilà, donc pour cela, je suis parti du lecteur de base vidéo d'usine. J'ai chargé une petite séquence d'un rat qui amorce une course. Ensuite, il se met à courir. Pour finir sur ses pattes arrière. L'idée de cette séquence, c'est de pouvoir prolonger la course de manière indéterminée et donc de découper la séquence en trois parties. Une introduction où le rat marche, faire une boucle sur la séquence où le rat court et pouvoir libérer la boucle pour aller à la fin de la séquence. Donc pour cela, je peux choisir un point d'entrée de ma boucle ainsi qu'un point de sortie. Je peux aussi le décaler après et je vais tout de suite tester. Donc voilà, donc on voit pas trop le point de bouclage, c'est parfait. Et à partir de là, lorsque je veux que le rat arrête sa course, je n'ai plus qu'à libérer la boucle, peu importe l'endroit où on est rendu. Et je vais aller à la fin de la séquence. Voilà. Pour parfaire ce montage, on va aller dans la grille. Et je vais simplement, avec Shift-Ctrl, et la boucle sur la section 1. Donc, ma séquence démarre. Mon rat court pendant une durée indéterminée. Et lorsque j'ai besoin d'arrêter la course du rat, je vais à la section suivante. Il ne se passe rien au moment où j'appuie. Et la séquence s'enchaîne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette toute petite vidéo. À bientôt.